fünf Minuten. Sag mal, hast du deine Badehose an? Ja, hab ich. Ich spring mal kurz in den See. Nur einmal rein und sofort wieder raus. Bist du wahnsinnig? Weißt du, wie kalt das da draußen ist? Ja, Schätzchen, ich weiß es. Es ist so kalt, dass kein Mensch mehr ins Wasser geht. Das ist ja gerade der Reiz. Na ja, du wirst den Tod holen. Mhm. Also gut, 3 Minuten. Du bist verrückt. Oui, j'écoute. C'est toi. C'est toi qui l'as assassiné. Hein? Christine, c'est toi? Bien sûr que c'est moi. Et tu sais très bien, tu sais très bien que c'est moi. Je suis désolé, mais je n'avais pas reconnu ta voix. Tu as l'air énervé. Tu pourrais dire bonjour au moins. Pourquoi est-ce que tu t'énerves comme ça? Qui l'a assassiné. Sur le poteau, c'est toi qui l'as tiré dessus. Il est mort. Est-ce que tu peux me dire au moins qui est mort? Qui? Ah, je suppose que tu parles de l'homme avec lequel tu passes tes nuits. Et cet homme est mort. Oui. Oui, il est mort. Tenez. S'il vous plaît, parlez-lui. Je m'appelle Derrick, je suis de la police criminelle. Monsieur Kamraou? Oui, c'est bien moi. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi ma femme m'appelle dans cet état? Est-ce que quelqu'un a été tué? Probablement l'amant de ma femme, un certain Magnus Kollner. Oui, c'est exact. Monsieur Kollner a été tué par balle ce matin. Il était sur le ponton de sa maison et votre femme nous affirme que c'est vous qui avez tué ce jeune homme. Alors une question directe, est-ce que vous avez tué l'amant de votre femme? Je veux bien répondre à votre question, monsieur Derrick. Non, je n'ai pas tué cet homme. Laissez-moi ajouter autre chose. La mort de cet homme éveille de nombreux sentiments en moi, mais en tout cas, sûrement pas de regrets. Comment est-il mort? On lui a tiré dessus d'assez loin, sûrement à l'aide d'un fusil de chasse. Vous possédez un fusil de chasse? J'ai été chasseur. Je possède plusieurs fusils de chasse, mais je ne chasse plus depuis un certain temps. Le plaisir de tuer des animaux m'est passé depuis longtemps. Je vais venir vous rendre visite. Ne bougez pas, d'accord? Oui, oui, bien sûr, je ne bouge pas d'ici. Et ramenez ma femme, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a dit que le plaisir de tuer des animaux lui... de tuer les animaux lui est passé depuis longtemps.
lui, il a dit ça, comme ça. Exactement. Venez. J'ai peur. Il me tuera, moi aussi. Passez devant, s'il vous plaît. Vous êtes Monsieur Derrick, c'est bien oui, ça? Oui, oui. Moi, je suis Walter Kamrau. Entrez, je vous en prie. Et ma femme ne veut pas entrer? Non, elle dit qu'elle a peur. Peur de quoi? De moi? Elle a peur que vous l'assassiniez. On va laisser la porte ouverte. Entrez, monsieur. Ma femme m'a littéralement agressé en m'annonçant la nouvelle au téléphone. C'est dur d'apprendre qu'un ami de la famille a perdu la vie subitement. Il est mort subitement, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Cet homme a été tué avec un fusil de chasse. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Et sur son ponton? Oui, sur son ponton. Votre femme était dans la maison, elle préparait le petit déjeuner pour l'ami de la famille avec lequel elle avait passé la nuit. Ça veut dire qu'il est mort sans avoir pris de petit déjeuner? Il est mort avec l'estomac vide. Un bon garçon, coureur, nageur, cavalier. Sa vie n'était qu'une fête. Il était de toutes les soirées. Une voix qu'on ne pouvait pas oublier, une voix qui était immédiatement perceptible au milieu des cœurs. On l'entendait, faites-moi jusqu'à aujourd'hui. Entre. Oui, Madame Schultz. Ma femme veut parler de notre gouvernante, Madame Schultz. Hier soir, je lui ai donné congé. Je lui ai dit que quelques jours de vacances lui feraient du bien. Elle m'a dit merci, Monsieur Kamrau, je les prends volontiers. Alors, elle n'était pas là ce matin? Non, elle n'était pas là ce matin. Ça veut dire que si on lui demande si tu es sorti ce matin, elle ne pourra pas répondre. En effet, dans la mesure où elle n'était pas là, elle ne pourra pas dire si oui ou non je suis sorti de chez moi ce matin. Ma femme vient de vous présenter les choses d'une manière qui ne laisse planer aucun doute, n'est-ce pas? Tôt ce matin, j'ai pris un de mes fusils de chasse sur lequel j'ai mis une lunette de visée. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti pour le lac. Là-bas, j'ai cherché l'endroit propice duquel je pouvais de manière tout à fait confortable tuer un homme dont je connaissais toutes les habitudes. Je savais par exemple que chaque matin, il allait piquer un plongeon dans les eaux glacées du lac. Et il avait l'orgueil de la jeunesse. Un homme. Oui, un homme. Et quel homme! Attention, ce que vous nous dites là... C'est ce que pense ma femme. Soyons concrets. Je vous repose la question. Est-ce que vous avez tué l'amant de votre femme? Vous ne croyez tout de même pas que je vais répondre à cette question par un oui? Mais vous ne dites pas non. Je suis en train de faire une expérience curieuse. Je ne comprends plus le sens de vos mots et vous ignorez le sens des miens. Je me retrouve soudain dans une situation que vous ne connaissez pas, dans laquelle un homme a trouvé la mort il y a quelques heures. Cet homme a un rôle important, ainsi que ma femme. Elle a un rôle dans tout ça, elle aussi. Si elle a aussi peur, c'est qu'elle est dans la même situation que moi, ou du moins très proche de la mienne. Je vais monter, faire mes valises. Et que fait-on maintenant? Vous allez nous montrer vos fusils de chasse. Eh bien, voilà l'armoire à fusils. Parfait. Ouvrez-la, s'il vous plaît. Oh mon Dieu, vous me mettez dans l'embarras. Conformément à la législation, cette armoire est toujours fermée à clé. Et il faut que je me souvienne où j'ai caché cette clé. Comme je vous le disais au téléphone... Le plaisir de tuer des animaux vous est passé. Ah, vous avez remarqué ma formulation? Oui, oui. Laissez-moi me souvenir où j'ai rangé cette clé.
Vous voulez bien patienter un instant? Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il a? De quelle situation parlait-il? Tout ça ne veut rien dire. C'est lui le meurtrier, la situation est claire. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux m'assassiner aussi? Je te préviens, si tu m'approches, je hurle. Regarde. L'armoire est ouverte. Monsieur Camrao! Il est ici, venez, s'il vous plaît! Qu'est-ce qu'il voulait? Je n'en ai aucune idée. Il s'est contenté de me dévisager. Il semblerait que j'ai effrayé ma femme, n'est-ce pas? J'en suis désolé, telle n'était pas mon intention. J'espère que vous ne vous méprenez pas. Ah, au fait, je n'ai pas retrouvé la clé de l'armoire à fusil. Nous n'en avons plus besoin. L'armoire n'était pas fermée à clé. Ah bon, vraiment? Même ça, je ne le savais pas. Tiens. Alors, est-ce que vous avez remarqué la couche de poussière sur les fusils? Puis-je voir votre permis de chasse et votre permis de port d'armes, s'il vous plaît? Ils sont dans l'armoire. Non, ils n'y sont pas. Monsieur Camrao, vous êtes en état d'arrestation, car voyez-vous, je vous soupçonne d'avoir tué l'amant de votre femme. Est-ce que tu pars sans tes valises? Oui, je ne reste pas dans cette maison une seconde de plus. Où dois-je te les envoyer? Je les ferai prendre. Tu ne veux pas me dire où je peux te joindre? Non. Vous buvez quelque chose? Non, non. Non, merci. Est-ce bien utile? Après tout, vous avez raison. Boire ou ne pas boire, c'est sans importance. J'avais soif, mais maintenant plus du tout. Les sensations changent très vite. Et comment avez-vous trouvé la scène? Et vous, comment l'avez-vous trouvé? Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on ressent lorsque quelque chose vous devient totalement étranger. Tout bêtement étranger. Vous voulez parler de votre femme? Je voudrais essayer de vivre cette situation comme une grande aventure, rien de plus. N'avez-vous pas parlé de m'arrêter? En effet, vous êtes en état d'arrestation. Vous pouvez prévenir votre avocat. Non, je n'ai pas besoin d'avocat. Encore une chose que je veux oublier. Oh, j'ai toute ma raison, au cas où vous en auriez douté. Depuis quand avez-vous découvert que votre femme avait un amant? Depuis plus d'un an. Et vous n'étiez pas d'accord avec cette liaison? Bien sûr que non. Mais votre femme ne vous a pas quitté. Elle a continué à vivre avec vous dans votre maison, n'est-ce pas? Oui. Elle se contentait de passer la nuit dehors de temps en temps. Dans la maison au bord du lac. En compagnie de son amant, Monsieur Colner. Oui. En fait, elle n'y allait pas de temps en temps, mais très souvent. Oui. Toutes? Vraiment toutes? Oui, c'est bien, merci. Est-ce qu'à cause de la liaison de votre femme, il vous arrivait de vous disputer? Vous êtes-vous déjà disputé avec son amant? J'ai voulu essayer de comprendre cette relation.
pour la comprendre, j'ai parlé avec eux aussi bien que j'ai pu. Calmement. L'erreur et la confusion dans la vie ne me sont pas inconnues et je ne suis pas un coléreux. Je me suis adressé à lui. Cher ami, vous avez commencé une relation avec ma femme, mais je ne suis pas d'accord avec cette relation, alors veuillez l'interrompre. Vous l'avez appelé cher ami? Oui. Et il l'était. Il appartenait au cercle des amis de la famille. Mais il n'a pas voulu interrompre cette relation. Non. Non. Avez-vous essayé de le convaincre? Oui, un jour je lui ai dit, cher ami, vous devriez faire ce que je vous ai conseillé. Vous l'avez encore appelé cher ami? Oui, ce fut la dernière fois. Et ensuite? Ensuite, c'est lui qui m'a dit, cher ami. Il a commencé à m'expliquer quelque chose. Il m'a dit, cher ami, vous savez que vous avez une femme très jeune. Vous êtes beaucoup plus âgé qu'elle. Certains efforts physiques dépassent peut-être vos possibilités. Ce que vous avez à offrir à votre femme dans ce domaine n'est peut-être pas suffisant pour une personne de son âge. Alors prenez cette situation comme un service que je vous rends. Et que lui avez-vous répondu? Rien du tout. J'aurais dû lui expliquer une chose qu'il n'aurait pas pu comprendre. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il n'aurait pas pu comprendre? Par ces mots, il venait de reconnaître que pour lui, cette relation était quelque chose de purement physique. Il n'y avait rien d'autre dans cette relation. Et pour vous, l'autre chose, c'est quoi? Pour moi, c'est l'appartenance totale. Un sentiment qui, petit à petit, s'est volatilisé. Il a disparu. Il a disparu lentement pour laisser place à un autre sentiment contraire. Oui, mais alors allons plus loin. C'est quoi, s'il vous plaît, le contraire? Il n'y a plus aucune appartenance. Ni avec ma femme, ni avec personne. Mon sentiment d'appartenance, à soudain, il a disparu. Pour faire place à je ne sais quoi d'autre. Pour faire place à je ne sais quoi d'autre? Vous voyez, vous aussi, vous avez du mal à le comprendre. Par contre, ce que je comprends, c'est que vous aviez toutes les raisons du monde pour tuer cet homme. Nous vous le disons bien en face. C'est vous qui avez assassiné Colner. Vous ne me ferez jamais dire ça. Dis-moi, Stéphane, pourquoi l'as-tu laissé partir hier soir? C'était une obligation? On peut le soupçonner d'être le meurtrier, mais ça ne suffit pas. Toutes ses armes sont enregistrées, Harry, et toutes ses armes étaient intactes dans l'armoire. C'est le coup de téléphone que j'ai reçu hier soir qui me l'a appris. Hein? Oui. Je ne pouvais pas t'en parler, il était là. N'importe quel avocat aurait pu le faire sortir en moins de 5 minutes. Il nous faut des preuves tangibles, pas des soupçons. J'avoue que j'ai du mal à comprendre cet homme. J'ai un sentiment étrange, comme une sensation de distance. Comme si je parlais à quelqu'un qui est très loin. Mais où est-il au juste? C'est difficile à dire. Il est dans le néant, dans le vide, sans aucun sens de l'orientation. Ce meurtre le touche de près. Mais l'idée du meurtre n'a aucune importance pour lui. L'idée est évidente, mais elle a trouvé un esprit dans lequel elle se sent chez elle. Oui, alors s'il te plaît, dis-moi, comment on va faire maintenant? On va continuer les recherches sur les lieux du crime. Peut-être que quelqu'un a vu cet homme ou sa voiture. Ensuite, je m'occuperai de lui personnellement. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vous voyez, la main du meurtrier ne tremble pas. Faites-vous
attention à ça. Oui, parfois et parfois je ne fais pas attention. Très bien, à votre santé. Je vous remercie. Vous ne voulez vraiment pas boire à ma santé? Je m'occupe personnellement de votre santé. Et de quoi allons-nous parler? Nous allons parler de vous. J'aimerais savoir qui vous êtes, d'où vous venez, où vous allez, ce que vous faites, ce que vous aimez, ce que vous détestez, quelles sont vos idées. En bref, j'aimerais savoir à quel homme j'ai affaire, quel personnage vous êtes exactement. Croyez-vous que je puisse répondre à cela? Vous n'allez pas laisser mes questions sans réponse. J'espère que les réponses vous apporteront quelque chose. Mais j'en suis convaincu. D'accord. J'ai perdu toute relation avec les êtres humains. Ma foi en eux a complètement disparu. D'abord ma femme et ensuite les autres personnes. Je les vois désarmés, sans combativité, livrés à leurs besoins qu'ils prennent pour des sentiments. Ils sont incapables de créer un quelconque lien durable. Cher ami, nous sommes tous une bande d'individus impitoyables. Tous une bande d'individus impitoyables. Et c'est ça que vous vouliez entendre? Non, je ne voulais pas entendre ces choses-là, mais je les ai entendues. J'ai passé ma vie à rêver des autres, à tous les autres. J'ai rêvé de ma femme aussi. Aujourd'hui, l'image que je m'en suis faite est tombée de haut, et pas seulement l'image. Voilà, c'est à peu près la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui. Et vous aussi, d'ailleurs. L'addition, s'il vous plaît. Tout de suite. Qui est là? L'aide ménagère que vous avez demandé. Mais je n'ai pas demandé d'aide ménagère. Et que voulez-vous? C'est pas la peine de vous énerver, je me suis peut-être trompée d'adresse. Est-ce que vous êtes monsieur Camrao? Si vous êtes ce monsieur, alors je suis au bon endroit. Votre gouvernante a appelé notre société avant de démissionner en disant qu'un monsieur seul avait besoin d'une aide ménagère. Mais vous ne dites rien? J'espère que vous n'êtes pas malade. Est-ce que tout va bien? Je viens seulement me présenter à vous. Si je ne vous conviens pas, vous n'aurez qu'à me mettre dehors. Personne ne vous oblige à m'engager. Maintenant, dites-moi si je dois rester ou partir. Il faut que je prévienne ma société. Ils vont appeler pour vous demander comment je me suis comportée. D'accord, j'ai l'impression que vous n'êtes pas très clair. Ciao! Bonjour, vous êtes enfin décidé? J'espère que je vous conviens. Dites-moi si vous êtes d'accord pour m'embaucher. Certains disent que je ne suis pas faite pour ce travail, mais c'est un travail que je connais à fond. Maintenant, c'est à vous de décider. Allez, foutez-moi le camp. Au moins, on peut dire que c'est clair. Vous savez que vous m'inquiétez beaucoup. Est-ce que vous avez un problème? Il y a quelque chose en vous qui m'empêche de partir. Je ressens quelque chose de bizarre. Je ne partirai que lorsque vous me redirez « foutez-moi le camp ».
C'est bon, entrez. Qui êtes-vous? Vous dites que vous travaillez pour une société? De quelle société s'agit-il? Oui, j'ai parlé de société, mais c'est un peu prétentieux. Le type qui m'emploie aime bien que je parle de son entreprise. Enfin, c'est une petite boîte. Nous ne sommes que deux et nous faisons des remplacements d'aide ménagère. Nous travaillons chez tout le monde. Chez tous ceux qui ont besoin de nous. Ici, c'est la cuisine. Est-ce que je peux voir? Que vous le vouliez ou non, je ne pourrais pas partir avec une cuisine dans cet état. Alors, c'est à vous de décider. Quelle sorte de personne êtes-vous? Quelle sorte de personne? Je suis désolée, mais je ne comprends pas très bien ce que vous venez de demander. Mais si ça vous intéresse, je pourrais essayer de me pencher sur la question. Non, ça ira. Nettoyez la cuisine ou n'importe quelle autre pièce. Mais je vous en prie, laissez-moi tranquille. D'accord, bon, si je comprends bien, vous venez de m'engager. Entrez, je vous en prie. J'allais justement me servir un verre. Vous m'accompagnez? Non, non. Aussi, peut-être avec un peu d'eau. Oui, volontiers. Votre main tremble aujourd'hui. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Oui. À votre santé. À la vôtre. Pourquoi êtes-vous venu me voir? Eh bien, je voulais vous demander de m'accompagner sur les lieux du crime, une simple petite visite d'inspection. Mais vous n'avez peut-être pas le temps. J'ai vu une voiture devant la porte. Madame Scholz m'a quitté ce matin, mais avant de partir, elle a eu la gentillesse de me trouver une personne pour s'occuper de la maison. Voulez-vous me montrer les lieux du crime? Les lieux du crime parlent beaucoup. Ils nous parlent du crime et de son auteur. Mais vous connaissez déjà l'auteur. Le ponton. Que savez-vous de plus? Que vous seriez prêt à recommencer. Je vous ai entendu arriver. Et ces messieurs entrent aussi? Non, ces messieurs n'entrent pas. Mais qui est cette jeune fille?
C'est une aide ménagère. Il pense vraiment à tout. Ce n'est pas lui qui y a pensé. C'est sa gouvernante. C'est à moi que vous parlez? Bah oui, il faut bien que je vous dise ce que j'ai fait. Dans la chambre, c'était le désordre complet, alors j'ai pensé que vous aviez été cambriolé. Tous les vêtements étaient déchirés. Vous êtes au courant? Oui, je suis au courant. Alors j'ai remis de l'ordre là-dedans. Bien. Vous avez rangé la chambre. Et enfin, j'ai fait ce que j'ai pu. Ensuite, je suis allée faire des courses, mais je ne me suis pas absentée longtemps. Est-ce que vous voulez voir la cuisine? Non, je n'en ai pas envie. J'ai dépensé un peu d'argent, mais je vous ai tout noté. Vous ne voulez pas voir? Non. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Et je veux dire, je vois bien que vous n'êtes pas dans votre assiette. Je vais vous donner un bon conseil. Foutez le camp le plus vite possible. Oui, oui, bien sûr. Faites-moi plaisir, s'il vous plaît. Sortez! D'accord, j'ai compris, mais je ne vais quand même pas partir comme ça en courant. C'est ce que vous auriez de mieux à faire. D'accord, je vais prendre mon sac qui est dans la cuisine. Tu vas peut-être me dire pourquoi tu as organisé tout ça. Pour un assassin, le meurtre est toujours l'aboutissement d'un événement. Mais ici, nous sommes en plein milieu de l'événement. Je l'ai vu prendre le fusil en main et te mettre en joue. Et ensuite, il a tiré. A-t-il parlé de sa femme? Il ne cherche même plus à savoir où est sa femme. Et pourtant, il veut la tuer. Oui, bien sûr. Dans l'état dans lequel il se trouve, il pourrait tuer n'importe quelle femme. Tu penses à la fille qui était chez lui? Elle ne correspond à rien, ni à cet homme, ni à la situation dans laquelle il se trouve. Elle s'occupe de je ne sais quoi, la cuisine, elle range, elle nettoie, elle prépare le repas. Mais cette fille lui a été recommandée par son ancienne gouvernante. Il faut lui demander de nous donner le numéro de téléphone de l'agence. Billy? Hé, je viens de téléphoner. Camrao a renvoyé la jeune fille de chez lui. Allô? Ici Monsieur Camrao. Et votre agence m'a envoyé une personne qui devait travailler pour moi. Rappelez-moi votre nom. Ah oui, Monsieur Camrao. Pourquoi n'est-elle pas là? Je l'attends, moi. Oui, ne dites pas de bêtises. Elle a fait des achats que je ne lui ai pas remboursés. Je veux qu'elle vienne. Occupez-vous-en. Oui, c'est moi, Babette. Bonjour. Je suis désolée, mais j'avais complètement oublié de vous rendre votre clé. Elle ne vous a pas manqué? Non. J'ai été très ennuyée, mais après l'agitation d'hier, je ne savais pas quoi faire. Est-ce que vous allez mieux? Alors comme ça, vous pensez que j'étais agitée? Oh, j'espère que je n'ai rien dit de faux. Pourquoi serais-je agitée? Je ne sais pas si je dois en parler. Ça ne me regarde pas. Qu'est-ce qui ne vous regarde pas? Hier, j'ai vu les valises là-haut. Vous avez déjeuné? Non. Alors j'arrive au bon moment. Qu'est-ce que vous voulez que je vous prépare? Ce que vous voudrez. D'accord. Le petit déjeuner est servi, Monsieur Camrao.
que cela vous convient. Et vous, vous avez déjeuné? Ah oui, j'ai déjeuné avant de venir. Allez chercher une tasse. Prenez un café avec moi. D'accord, une tasse de café, ça peut pas faire de mal. Pouvez-vous arrêter ce vacarme? Vous ne vous asseyez pas? Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes marié? Vous avez des enfants? Non, je ne suis pas mariée. Quant aux enfants, je n'en ai pas encore. Oui, mais vous aimez quand même les enfants. J'avoue que je n'y ai pas encore réfléchi. Parce que vous réfléchissez. Vous devriez vous asseoir, je vais vous servir. Qu'avez-vous appris? Si vous avez appris quelque chose. Vous voulez mes certificats? J'ai plusieurs certificats scolaires. Non, restez pas comme ça. Asseyez-vous et posez cette cafetière. Posez la cafetière sur la table. Est-ce que vous avez une idée de ce que vous ferez plus tard? Non, je ne sais pas encore. J'ai encore le temps d'y penser. Mais vous avez sûrement une petite idée en tête. Puisque vous me le demandez... Oui, je vous le demande. Ma tête est vide. Je n'ai aucune idée raisonnable. Vous voulez une tartine? Oui, s'il vous plaît. Très bien. Elle est chez lui. Oui, merci. Stéphane! Oui. Peux venir? L'agence d'aide ménagère a appelé. Camrao a de nouveau fait appel à eux. Elle est chez lui. Depuis quand est-elle chez lui? Depuis le début de la matinée. J'ai fini de ranger la cuisine. Vous voulez que j'aille ranger l'étage? L'étage? Oui, là où sont les valises. Oui, venez, on va mettre de l'ordre. Je vous attends. Vous avez un chat, monsieur Camrao? La porte de la terrasse est restée ouverte et un petit chat est rentré. Venez, dépêchez-vous, je vous attends. Venez voir, c'est un tout petit chat. D'où est-ce qu'il vient? Tu, mon bébé, tu t'es perdu. Il appartient au voisin et qu'il retourne chez lui. Je l'emmène dans le jardin, je peux? Ah, c'est vous, je ne vous attendais pas. Où est votre aide ménagère? Où est-elle? Elle a disparu. Elle devrait être dans la maison, sa voiture est dehors. Bonjour. Ah, Babette, voici Monsieur Derrick, de la police criminelle. Je suppose que c'est à vous qu'il veut parler. Me parler? Mais de quoi? Voulez-vous me suivre? Où? Oui, où? Au commissariat, bien sûr. Alors, il s'agit de quelque chose d'important. Oui. Oui. Bien, allez-y. Et surtout, n'oubliez pas votre sac. Et laissez les clés avant de partir. Prenez donc votre voiture. Alors, il a tué quelqu'un? Oui, l'amant de sa femme. Il l'a tué avec un fusil de chasse. Nous n'avons pas la preuve qu'il soit l'assassin. Il n'a fait aucun aveu ni aucune déposition. Mais mon collègue et moi sommes absolument convaincus qu'il est le meurtrier. Mais où est sa femme? Elle n'a pas voulu rester avec lui. Les valises? J'ai vu ses valises, elles sont dans la chambre. Elle va les faire récupérer. Pourquoi êtes-vous venu me chercher? On vous a dit ce qu'avait fait cet homme. Cet homme est un meurtrier. Il se trouve dans une situation particulière. Il peut avoir des réactions impressionnantes.
imprévisible. En restant avec lui, vous mettez votre vie en danger. Je vais vous reconduire à votre voiture. Où est votre voiture? Elle est là-bas. Je vais m'asseoir un instant auprès de vous. J'aimerais que vous répondiez à une question. Est-ce que vous allez retourner chez lui sans crainte? Essayez de me répondre le plus honnêtement possible. Non, je n'ai pas peur d'y retourner. Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas peur? Pouvez-vous me l'expliquer? Non. Qui est là? C'est moi, Babette. Je peux entrer? Vous avez oublié quelque chose? Oublié? Non, je voulais juste... Pourquoi êtes-vous venu? Nous n'avons pas encore fait les comptes. Les comptes? Quels comptes? Mais qu'est-ce... De quoi est-ce que vous parlez? Vous voulez entrer? J'ai fait quelques courses pour vous. La note est dans la cuisine. Est-ce que je vous donne le détail des courses? Non, 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 ce n'est pas utile. Avez-vous dîné? Non. Tenez. Je vais vous préparer quelque chose. Non, merci. La police vous a dit ce que je suis censé avoir fait. Ils vous ont dit quelque chose. Pourquoi êtes-vous revenu? On dirait que vous avez perdu le sourire tout à coup. Vous êtes venu seul? Oui. Et quelqu'un sait que vous êtes là? Non, je ne l'ai dit à personne. Est-ce que vous en avez parlé à Derek? Il m'a seulement demandé si j'avais peur de vous. Et qu'avez-vous répondu? Je lui ai répondu que je n'avais pas peur de vous. J'ai effectivement tué un homme. Vous êtes la première à qui je le dis. Je suis dans un état particulier. Je n'ai plus aucun rapport de crainte avec la mort. Ni avec ma mort, ni avec la mort des autres. Vous ne comprenez pas, mais je vais vous dire une chose que vous comprendrez. Les valises de ma femme. Il faut que quelqu'un soit à la maison quand on viendra les chercher. Vous pouvez vous en charger? Vous n'avez toujours pas compris. Notre gouvernante vivait ici, elle avait une chambre dans la maison. Je vous offre cette chambre. Vivez ici. Voilà la chambre. Pas la laisser seule. Où est-elle? Je lui ai dit que j'avais effectivement tué cet homme. Elle est vivante. Bien vivante.